Il y en a plusieurs sortes qui n'ont pas marqué le nom et tout, aussi pour savoir quel genre. Et ça, c'est du bambou, hein. Des bambous. Autre bambou d'Afrique. Ça sent bon. Ça c'est du thym là. Ouais. En fait c'est des plantes aromatiques là, ça c'est du thym. Et ça c'est de la ciboulette. Hein. Ouais, on le fait le mélange avec. Exactement, les feuilles, les fleurs. Ouais, mais on peut le faire le mélange avec le fait de manioc. Hein. Ouais, c'est mangeable, elle est bien ça. Ah, voilà. C'est ça, tu peux manger les fleurs comme ça. Ouais. Bonjour. Mm-hmm. Ça va? Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Super. Ça fait plaisir. Merci, ouais. Bah oui, là il va y avoir. Ouais, vous avez trop raison. Il y a une grosse expo là qui se prépare. Et c'est pour ça que vous allez voir des images de fleurs. C'est pour ça que vous vendez. Vous avez vu, il y a. Jonathan, le spécialiste des. Alors, Jonathan, tu l'avais encore rencontré, notre deuxième ouvrier compagnon. On a deux formateurs maintenant avec. Super. Ben, Jeanne et. Ben, on sait qu'on fera des sorties ensemble. Oui, voilà. Et donc, tu connais en plantes aromatiques ? Quelque chose. Ouais. Ouais. Je reconnais un petit peu. Ah bon? Ah non, c'est la citronnelle. Et du coup, là, ça va être Stéphanie, une des guides du musée, qui va faire Ah, ok, ça va. Et Jennifer, vous allez dire un peu sur quoi, de quoi ça allait parler, ce qu'on allait faire. Ok. Ouais. Bah, c'est bien. Bonjour, vous allez bien? J'ai juste dit deux phrases. Ça va être super intéressant. Et en fait, ça va. Ben voilà, Stéphanie va mieux en parler que moi. Arrête de te cacher, David. Hein. Tantôt que tu te caches. On pourra regarder après. Bonjour. Bonjour. Bien, toi. Très bien. Stéphanie, donc c'est moi qui vais vous guider. Merci. J'étais en train de commencer à crier parce que je suis je t'en prie. Et oui, et du coup, Stéphanie va nous faire découvrir le musée Félicien Rox. Oui. Félicien Rox, c'est un artiste namurois du 19e siècle. Mmh. Et il s'est beaucoup engagé pour défendre les droits humains. Mmh. Donc vous voyez ce qu'il y a derrière les droits humains. On parle souvent d'Amnesty International. De toute manière, Stéphanie en parlera. C'est tout ce qui touche au respect de l'être humain. Et donc, vous allez voir, Félicien Rox était vraiment en avance sur son temps et a pris des positions très fortes. Mmh. Et ces positions, ce qu'il a dit à son époque, dans les années 1800,
reste encore d'actualité. Et voilà, je pense que ça nous permettra aussi de réfléchir à ce qu'on vit, nous, dans notre quotidien. Ouais. Ok. Vous avez déjà un petit peu découvert le jardin de Félicien. Ouais. C'est un jardin qu'on a recréé, justement, en fonction de ses passions aussi, parce qu'en dehors d'être un artiste, il aimait beaucoup la nature. Ouais. Donc on a recréé ce jardin. Vous avez reçu la permission. Bonjour. Le musée se trouve derrière nous. Nous, on va aller du côté de la collection permanente. On va voir les œuvres de Rops toute l'année. Donc on va revenir de ce côté-là. D'accord. Okay. Merci. Voilà, les familles sont ici. Va arriver la cuisine. Ok, d'accord. Juste après la cuisine, 10h. Musée Rops, un ami. Il faudra rentrer à l'intérieur. Hein. de regarder un peu cette chronologie. Donc, c'est une ligne du temps qui va vous permettre de resituer Félicien Rops dans son époque. Donc, j'aime à parler du 19e siècle. Je ne sais pas si vous, le 19e siècle, vous évoque quelque chose, des événements, comment les gens vivaient à l'époque. Ça va être très différent, évidemment, d'aujourd'hui, vous l'imaginez. Vous avez déjà une photo de Félicien Rops ici, comme ça vous mettez un visage sur cet artiste qui est donc né en 1833. Il est né à deux pas d'ici. Sa maison natale, c'est à la rue du Président. Je vais peut-être passer devant ici. Il y a une pierre qui est gravée, on peut voir la date de naissance de Félicien Rops. Félicien Rops, il est né dans un milieu quand même aisé. Ses parents étaient commerçants, son père vendait des tissus. Il n'a jamais manqué de rien, on va dire, et il s'est marié aussi avec Charlotte Paulet de Favreau, qui était la fille d'un juge de Namur, et le musée dans lequel vous trouvez aujourd'hui, c'était la maison du père de Charlotte. Donc ce sont des gens aussi qui vivaient quand même dans la richesse, hein. On voit ici le château dans lequel Rops et son épouse habitaient, qui est quand même une très belle demeure. Donc voilà, Félicien Rops est un artiste qui était directement reconnu à son époque comme quelqu'un de très talentueux, et donc il a vraiment vécu de son travail artistique comme illustrateur. Alors, il a fait une rencontre importante avec Baudelaire, qui est un grand poète français de l'époque, et ça montre que ce grand poète qui a demandé à Rops de travailler avec lui pour illustrer ses poèmes, ça montre que Rops était quelqu'un de très apprécié à son époque. Alors, on en reparlera un peu pendant la visite, mais à travers le temps, on voit qu'il a exposé avec des grands artistes, et puis qu'il est parti à Paris et qu'il y est décédé en 1898, et qu'il a fait une rencontre assez spéciale. C'est celle de Aurélie et Léontine Duluc, qui étaient des sœurs, et ils sont tombés tous les trois amoureux. Ils nous ont formé un trio, un couple à trois, chose qui n'était pas légale, donc c'est pas légal de se marier à trois à l'époque de Félicien Rops. Et aujourd'hui, en Belgique, en France, c'est pas non plus autorisé de se marier à trois. Mais Félicien Rops, c'était quelqu'un de très libre dans sa tête, qui n'écoutait pas la critique des autres et qui vivait comme il entendait. Donc ça vous donne déjà une idée de qui était Félicien Rops, hein, quelqu'un de très libre dans sa tête et qui n'a pas peur d'exprimer ce qu'il pense. On va voir avec les premières œuvres de sa carrière ici à côté. Justement, ça va bien illustrer ce que je viens de